Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Nous sommes avec un nouveau robot que j'ai trouvé dans le jeu qui a plus de 2000 ventes, donc c'est un robot qui, de mon avis, doit être assez balèze en soi. On va bien voir, hein. C'est un drone, donc, avec de l'anti-aérien et... J'avais pas vu qu'il y avait un chemin par la gauche. Par contre, je suis tout seul sur le point là pour le coup. D'accord, donc c'est pas drôle. Merci les copines. Bon, faut pas que je m'énerve. C'est de ma faute, je les rush le point. Mais bon. C'est rigolo son truc. Par contre, s'il se plante alors qu'il est censé aller vite, c'est un peu la dèche. Ok. Bon. Et le point. Spotter les ennemis, bon Dieu! Putain, mais je suis encore au sol, quoi. Allez! Mais putain, mais meurs! Si seulement je pouvais avoir des copains pour m'aider! Alors, j'aimerais bien savoir ce que font mes copains. Il y en a deux sur le point, apparemment, ça y est. Je sais pas où ils étaient avant, par contre. Hein. D'accord. Bon, faut que j'arrête de jouer YOLO, apparemment. C'est ma faute. Par contre, ça serait cool qu'il les spot, quoi. Putain, il y a un spawn juste ici. Et moi je passe bêtement devant l'ennemi. D'accord, je viens de comprendre comment je suis censé le contrôler ensuite. Merci, merci, c'est bien tenté, merci, merci. Bon, c'est bizarre comme robot, mais j'ai pas l'habitude à mon avis. J'ai un gros manque. Par contre, il a l'air d'avoir du mal à descendre en fait. Ce qui est assez saoulant. Question, c'est un drone, donc je devrais l'utiliser en tilt. Normalement, je pense, non? Ah, il y a des Français en face. Par contre, ce qui est dégueulasse, c'est que j'ai encore un robot qui a de l'anti-aérien, mais il n'y a pas d'ennemi aérien en face, quoi. Voilà. Oula, il y a un mec juste devant par contre. Ouais. Ouais, c'est cool. J'ai l'impression que coup que j'aille, je me fais avoir. Un de heal, c'est peut-être pas suffisant. Encore moins si c'est un petit. Bon, c'est pas grave. T'es juste mauvais, Marcus, c'est tout. Hein. Mais c'est vrai que je trouve ça dégueulasse. Que je tombe sur une équipe où en face il y a de l'anti-aérien et de mon côté j'ai rien à tirer quoi. C'est quand même bien dégueulasse. Enfin bon, c'est le matchmaking, c'est pas moi, c'est pas les joueurs. Enfin c'est peut-être moi hein, d'avoir pris un robot de ce style, je sais pas. Par contre ce serait vraiment cool que vos petits... Putain mais pourquoi je m'envole comme un abruti moi si c'est pour me faire ch... Ah non, ils savent pas, hein. C'est incroyable. Voilà, ça c'est spotter l'ennemi. Voilà. C'est encore moi qui vais bouffer parce que je suis tout seul. Ah, ça me gonfle. Voilà, je suis mort.
devrais, soit je groupe, mais les gens ils vont YOLO de façon aussi, donc ça sert à rien de grouper. Soit je leur demande de spotter, ils spotent pas. Apparemment ils vont pas les spotter hein, parce qu'ils en ont rien à foutre. Donc enfin je comprends pas pourquoi les gens veulent pas utiliser les features quoi. Le spot j'adorerais l'avoir dans... Putain mais... Voilà, crève, crève, je te regarde. Je te regarde crever, voilà, bien, bravo. Tu es un grand joueur. Voilà, je suis à nouveau tout seul. Face à ce putain de snipe. Parce que personne n'est venu prendre le point. Parce que personne n'est venu tuer un mec qui est sur un point qui peut tirer directement sur le payload. Enfin sur le, pardon, pas sur le payload, sur le cristal. Enfin bon, c'est pas grave. Excusez-moi, ça m'énerve vraiment. Parce que... Les mecs ils passent à côté d'une feature. Ah ça y est, on a un spot. Mon dieu. Toujours pas le bon hein mais... Voilà. Hop. Je sais pas à quoi servent ces... Tu me heal? Non mais ça sert à rien de me healer, hein, t'as pas suffisamment de heal. Voilà. Ton pote me healerait, je veux bien, mais... Enfin bon, c'est pas grave. Ça y est. Jouez les kills, vous avez raison. Putain. Oh non, pas en... ils sont combien? Oh la vache, dès que je joue un robot volant, je tombe sur de l'anti-aérien. Dès que je joue un robot qui a de l'anti-aérien, y'a personne qui vole en face. C'est saoulant. Je suis désolé, moi ça m'énerve, chers amis, ce matchmaking de merde. Ça me gonfle. Finalement, on peut pas jouer ce qu'on veut et on est niqué par le matchmaking. On peut pas le gérer. Voilà, c'est cool. Je m'éclate, merci le jeu. Oui, bien sûr. Bon, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, autre chose sur le passage, vu que je rage un petit peu, j'en profitais pour dire des choses. Évitez de prendre les coms ou le chat du live, imaginons quand on est en live, pour une salle des ventes. Même si c'est pas vos robots, spammez pas, achète, parce que ça va mal finir. Je peux pas, d'une, acheter tout ce que vous voulez. Putain, mais je peux pas voler, quoi. Je peux pas voler, mais merde! Vive la pute, le putain de matchmaking de merde, quoi. Oui! Oui, t'as tout compris! Non, mais pas non, dernier! Putain, mais quel abruti! Idiote. C'est pas la peine, moi je peux pas voler, donc c'est moi j'ai pas envie de jouer, hein, désolé. Hein. Ah bah si c'est pour me faire... Ah non, il peut pas normalement, oui, je comprends pas pourquoi il est venu là. Mais... Protonium reactor under attack.
The enemy is stealing our energy. Plutonium reactor under attack. The enemy is stealing our energy. Alors. Je suis tout seul. Putain, mais casse-toi, casse-toi, laisse-moi jouer tranquille. Allez, bousillez-le, 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 bousillez-le. Je me suis pas fait chier pour rien. Allez. Il. Putain. Ah, ça m'énerve. Ce matchmaking à la pisse m'énerve. Je suis désolé, il y en a qui gueulent parce que je rage de trop. Mais c'est quand même saoulant d'avoir toujours des parties qui vont dans un seul sens, quoi. C'est dès que je prends de l'anti-aérien, j'ai pas d'ennemi aérien. Dès que je prends un ennemi volant, je me fais cribler par trois anti-aériens en face. Je comprends pas comment le matchmaking peut être fait, quoi. C'est pas équilibré du tout, quoi. Putain. Tiens, vas-y, tue-moi, c'est rigolo, c'est le but du jeu. Voilà, tue-moi. Non, t'as pas réussi, t'es une merde. T'es un français, donc t'es forcément une merde apparemment, c'est comme ça qu'on nous traite de toute façon. J'ai vu qu'apparemment les français étaient les gens les plus toxiques aux jeux vidéo, c'est rigolo hein. Ha. Donc on est tous des merdes les gens apparemment pour la communauté internationale. Il faut reconnaître que là, pour le coup, c'est pas la communauté, c'est pas le jeu, c'est pas les joueurs que je blâme, c'est le matchmaking. Regardez ça, je viens de décoller. Je viens tout juste de décoller, hein. Donc, faudrait que je fasse quoi? Que je reste au sol, que je profite pas de mon robot, en fait. Et ça, c'est génial. C'est absolument génial. En tout cas, peut-être qu'un jour on aura le droit à un matchmaking viable sur ce jeu, parce que là vous voyez on va perdre. Voilà, et je suis tout seul hein. Je précise que pour gagner, il aurait fallu qu'on ait le point. Ah bah putain, ça s'est joué à rien, hein. Nom de Dieu. Une victoire pareille, ça s'est vraiment joué à rien. Mais il faudrait vraiment qu'on m'explique, est-ce que le jeu est contre moi? Parce que sur le principe, ça commence à me gonfler d'avoir des matchmaking qui à chaque fois me la foutent à l'envers, quoi. C'est vraiment énervant. C'est même gonflant, vous voyez, c'est la première partie que je tourne, je la tourne en avance parce que ce week-end je vais pas être présent. Et du coup, comme il y a Mass Effect Andromeda qui arrive demain sur la chaîne, j'ai décidé de prendre un petit peu d'avance. Mais, oui, voilà, c'est la première, et vous voyez dans quel état ça me fout dès le départ, quoi, c'est... Tout ça parce que le matchmaking est fini à la pisse, hein, ils ont pissé dessus, hein, c'est pas possible. Mais... Parce que là, le pire, c'est qu'on n'était pas plusieurs en plus à voler, j'étais tout seul à voler. C'est vraiment contre moi, hein, c'est... Putain. Et me dites pas, c'est pas par rapport au... Alors là, encore une fois, c'est pas parce que j'ai gagné que je vais pas rager, c'est pas parce que j'ai gagné que je vais pas rager. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je veux dire, c'est qu'on a peut-être gagné, c'est sûr, hein, mais je me suis pas amusé du tout. Je me suis fait défoncer dès que je voulais, c'est tout simplement ça. Donc il est peut-être très très bon, très très beau, hein, j'en ai rien à tirer. De toute façon, à 2K, c'est pas moi qui vais le faire... changer, mais c'était pas drôle, c'était juste pas drôle. Et bah écoutez chers amis, du coup sur cette rage je vais essayer de me calmer un petit peu 2-3 minutes, puis je vais retourner un deuxième derrière, on va voir bien. Salut les gens.